Coucou à tous, regardez avec qui je suis. Virginie fait sa cuisine qui est concentrée sur la route. À fond. À fond. On est parti pour un week-end entre filles de folie. Et oui, j'ai pas Hugo. Donc du coup, j'en profite pour m'éclater avec ma copine Virginie. Et bah, tu viens de le dire. Non, on va au Puy du Fou, il n'y a plus de mystère. Elle vient de le dire. Regarde là, c'est marqué. On va passer le week-end au Puy du Fou. On va regarder des spectacles de malades. On va tester le super hôtel, le drap du... Le drap d'or, je crois. Enfin, on va faire des challenges, des cap ou pas cap, des lava challenge. Voilà, donc je pense que beaucoup de choses nous attendent et vous attendent aussi sur la chaîne de Virginie et la mienne. Donc là, on est en train de chercher la route et dès qu'on arrive, on vous reprend. Allez. Il va y avoir des chevaliers, plein de trucs. Waouh, comme ça. Des chevaliers pour Angie. Tu le veux comment ton chevalier? Bah on verra ce qu'il y a quoi. Avec une épée au moins. Ouais, pour me défendre. C'est beau, regarde, on est en pleine nature. On croise la police, tout va bien. Waouh, wow, l'entrée. Ah non, c'est joli, regarde. Ah, c'est beau. Il y a une lune et tout. Waouh. C'est la cité pour dormir, la cité nocturne. Parking, pêcherie. Mais nous, on va pas pêcher, hein, non. Non, c'est pas ça. Ah non, il y a une dame. Ah oui. On va faire une première rencontre avec un autochtone. Avec un autochtone de Vendée. C'est un chevalier. C'est un chevalier, non. Il n'y a pas une tête de chevalier. Comment ça s'appelle, la cité? Bonjour. La cité des draps. Non, le drap d'or. Le drap d'or. La cité des draps. Le chevalier va-t-il nous laisser rentrer? Ils sont modernes les chevaliers aujourd'hui. Tout de suite sur la gauche et après juste à suivre la direction, la ville, le camp du drap d'or. Ok. Merci. Merci. Bon bah vous avez vu, ils ont pas d'épée les chevaliers ici. Hein. Comment on va être protégé ce soir en Comment ouais. Ça doit être... Non, ça c'est la citadelle, je crois. C'est un nouvel hôtel qui a été inauguré cette année en 2017. Et d'ailleurs, on va manger dans l'un des restaurants de cette citadelle durant le séjour. Donc, on va se régaler. Hein. Il y a des super, super hôtels. Ah, ça, il y a le camp du drap d'or. Tout droit. Non, qu'est-ce que t'as dit, toi, le drap nocturne, la cité des draps. Elle se moque de moi, là. Regarde comme c'est beau. Waouh. Je suis sûre qu'il est là, ton prince charmant. Ah, il est dedans. Faut qu'on aille voir. Ouais, faut qu'on aille voir. En plus, c'est les 40 ans du parc. On est trop contentes. C'est les vacances. Bonjour. Je vous présente la princesse Angélique. Voilà, je suis la princesse Virginie. Bienvenue. Et, merci. Et du coup, on a réservé. Et on cherche des princes. Eh bien. C'est quoi ça? Il y en a une quantité. Une quantité. Des chevaliers. Des... Et est-ce qu'ils ont des épées? Parce qu'en bas, ils n'en avaient pas. Tous. Ah. En bas? Ouais, en bas, il y a des épées. Ouais, on n'a pas. Pas d'épée, ouais. C'est un chevalier moderne. On n'a pas reçu. Ok. Donc on va dormir dans des tentes, Virginie. Des tentes équipées? Ça va. Oui, c'est pas des tentes de camping, mais...
c'est immense. Attends, il est où la lumière? Attends, c'est là. Ah, je m'attendais pas. Waouh. Oh, regarde. En fait, on dort dans le lit de Louis XIV. Oh, il y a des cadeaux. Sais pas. Eh, hey, il y a des cadeaux. C'est pas vrai. Si, on a des cadeaux et tout. Oh non. Oh là là. Un petit mot. On a l'histoire du Puy du Fou. Trop cool. Oh là là. On a tout, on va avoir de la lecture ce soir, hein, pour le premier soir. On a d'autres. Deux livres. Oh. Quoi? Génial. Quoi? C'est quoi? Des cartes. On va pouvoir jouer. Les cartes de Puy du Fou, c'est génial. On va pouvoir faire une et bataille. Tout est en double parce qu'ils en ont fait un on pour toi, une un bataille. Pour moi. C'est allez, ça. On va faire une bataille ce soir. La bataille Angie et Virginie. Après, oh là, c'est comme un bataille. Ah, c'est trop beau, on a le fauteuil. Attends, on a carrément le fauteuil de reine, quoi. On a encore deux lits. Il y a encore deux lits. Non. C'est pas vrai. Regarde les lits. Mais non. Mais arrête, c'est immense en fait. Regarde les lits. Ouh, c'est médiéval. Ouais, c'est trop beau, regarde la fenêtre. Les vitraux. Oh, regarde. Regarde les trucs. Le masque. Regarde. Oh, c'est un canard. Regarde, c'est un canard. Ah, oui. C'est quoi? La belle douche. Waouh. C'est de l'or. Il y a de l'espace ici. Ouais, tout est en or, je sais pas si vous avez remarqué. Regardez. Il y a une autre pièce. C'est quoi? Oh. C'est les toilettes, ah, tout simplement. Toilettes. Ah, c'est trop bizarre. C'est un trône? Oui. Non, arrête. Oui, oui. Attends. J'en étais sûre. Oh my god. On va être sur un trône. Non, regarde. Oh, c'est trop chelou. Et ben voilà. On va tester pour la première fois de notre vie le trône. Le trône en bois en plus, hein. Le trône en bois, le vrai trône quoi. Regarde même pour... Oh, ça me dirait de la laine, regarde. Non mais casse pas tout Virginie. Et là il y a quand même oh regarde, un sèche-cheveux et une penderie. De quoi ranger les affaires. Là on peut le aussi. On a un beau miroir pour se voir. Coucou. Et... Regarde, mais... Ah vraiment là, une famille en fait, c'est pour une famille ici. Alors, on nous a appelé dans notre chambre pour nous dire que notre table de couronne était prête. Alors on va découvrir ça. Oh c'est bon. Donc là, Virginie a perdu son sac. Je suis un boulet. Après le téléphone portable à la station-service. Ouais, je l'avais laissé. Maintenant, le sac à main. Et puis là, c'est grâce à Angélique parce qu'elle avait filmé. Donc on a regardé, on a fait une investigation. Voilà. Mais en tout cas, on doit se dépêcher parce qu'on a rendez-vous pour le spectacle. Les ogres de... Les orgues. Ah, les orgues. Moi, je sais les orgues. Les orgues de feu, les orgues de feu. Les orgues de feu. Et là, on découvre notre camp, le camp du drap d'or. Vraiment la nuit avec les lumières et c'est magnifique. Waouh. Alors en réservant vos tickets bien à l'avance, vous pouvez aussi réserver des passes émotions qui permettent d'avoir justement un accès aux tribunes et jusqu'à 10 minutes avant le spectacle, sans attendre 30 minutes, voire 45 minutes. Non voilà, Virginie a retrouvé son sac. Ouf. Sauvé. C'est parti, on peut se diriger vers le grand parc. C'est par là, non? J'avais vu un panneau tout à l'heure. C'était bon, on te demande à la dame, comme ça on va dans la bonne direction. J'avais vu par là. C'est pas une paumée. Tiens, on va voir la dame. C'est beau en tout cas la nuit avec toutes les lumières. Waouh. C'est écrit là.
Virginie, elle est allée voir une dame alors que c'est écrit sur des panneaux. Le grand parc, c'est tout droit là-bas. Et ben, je vais faire courir Virginie. On va la voir revenir. Tain, c'est beau là. Alors je disais que le pass émotion, c'est bien pratique, surtout si vous restez que un ou deux jours, vous habitez loin. Parce qu'avec ce pass, ben, vous optimisez vos temps et du coup, vous pouvez a priori faire un peu tout en une journée et demie. C'est tout droit, c'était écrit. Voilà, on voit Virginie qui arrive. Virginie, on se dépêche. C'est royal, hein, il manque plus que le tapis rouge là. On va arriver, l'image est belle. Wouh! Donc depuis les hôtels de la cité nocturne, le parc est accessible à pied, donc c'est très agréable, il y a des petits panneaux, on suit notre petit chemin qui est assez vert, assez fleuri, donc très beau. Le parc ferme assez tard, hein, il ferme vers 22h30, donc vraiment vous avez des très grandes journées pour profiter de l'ensemble des animations, des spectacles. Et à part le spectacle du soir, je pense que les derniers spectacles se terminent vers 20h45, donc ouais, c'est ça. C'est tard, hein. C'est à 20h45. Oh, ça y est, on pénètre dans la nuit sombre. Peut-être entendez-vous cette musique lointaine. Chaque soir, dès les premiers pas de ma promenade sur le lac.